Ma prochaine question porte à nouveau sur l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Lorsque... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand les gens disent qu'ils sont amoureux, ils pensent qu'ils sont dans un amour inconditionnel. Mais pourtant, dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Ça ne conduit pas au bonheur. Alors Sadhguru, quand l'amour inconditionnel est-il vraiment possible? Quand vous dites amour, votre expérience de l'amour, c'est que vous ressentez une certaine émotion douce en vous-même. Ça peut être en regardant cette personne, ou cette personne, ou cette personne. Nous ne savons pas qui stimule cela en vous. Peu importe qui vous a aidé, mais essentiellement, ça a eu lieu en vous, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça a eu lieu en vous seulement, ou c'était dans l'air? J'essaie d'éclaircir cet air. Une combinaison des deux. Vraiment? C'était dans l'air? Non, ça n'a eu lieu qu'en vous. Peut-être que ce qui avait lieu en vous était si exubérant que vous l'avez vu partout. Vous êtes amoureux, vous avez pensé que les fleurs ont fleuri pour vous, que les oiseaux chantent pour vous, que les nuages se déplacent pour vous. Très bien, je ne veux pas détruire toute la romance, d'accord? Mais essentiellement, ça a lieu en vous. C'est merveilleux que vous éprouviez une telle douceur de vos émotions, stimulée par quelqu'un. Vous utilisez l'autre personne comme une clé pour déclencher une expérience en vous, essentiellement. Je vous le demande, pourquoi utiliser une clé quand il n'y a pas de serrure, quand il n'y a pas de porte, quand il n'y a aucune sorte de barrière? C'est juste que vous êtes une machine à démarrage assisté. Vous savez ce qu'est une machine à démarrage assisté? Si vous possédiez une Ambassadeur il y a 25 ans, vous la gardiez toujours sur une pente comme ceci, parce que le matin, deux personnes doivent la pousser. Si vous la garez comme ceci, personne ne viendra, votre famille ne sortira pas de la maison. Si elle est comme ça, quelqu'un va venir la pousser. Maintenant, toutes les voitures démarrent d'elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles démarrent à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la technologie est améliorée. Vous êtes un institut de technologie, d'accord? Je vous le demande, aimeriez-vous mettre à jour votre technologie pour démarrer de vous-même? Si vous vous réveillez le matin, vous débordez de joie et d'amour et d'exubérance de vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous stimuler. Aimeriez-vous être une machine à démarrage automatique? À coup sûr, Sadhguru. Alors vous devez venir me voir. Ceux qui en ce moment pratiquent l'amour dans l'air, pas de problème avec eux, vous n'avez pas à leur dire quoi que ce soit, vous dites d'accord. C'est bien. Mais il est très important que vous soyez une machine à démarrage automatique. Autrement, au bout d'un certain temps, vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. C'est à ce moment-là que ces histoires d'amour deviennent pénibles et horribles. Parce que vous essayez d'extraire du bonheur de l'autre personne. Non. La vie devrait être comme ça. Quand il s'agit de joie, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit d'exubérance de la vie, vous devez en être la source, n'est-ce pas? Vous devez en être la source. Et d'autres choses sont partagées dans la vie. Il y a deux façons de s'engager dans une relation. La première, c'est parce que vous voulez extraire quelque chose de quelqu'un. L'autre, c'est parce que vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un. Ce sont deux façons possibles. Si vous êtes là pour partager, votre vie sera agréable. Si vous êtes là pour extraire, quand ils vont fermer le robinet, ça va devenir horrible et moche. Vous avez vu les gens qui pensaient être de très grands amoureux, à quel point ça devient terrible pour beaucoup d'entre eux. Pas parce que quelque chose cloche chez eux, simplement parce que vous êtes parti du mauvais pied, en pensant « cette personne est la source de ma joie ». Non, non. Joie ou souffrance, la source est en vous. Oui ou non? Que ce soit la joie ou la souffrance, la source est en vous. C'est à vous de décider. Si vous êtes un être humain joyeux, ils vont aussi vouloir être avec vous. Si vous êtes souffrance, ils vont vous supporter un certain temps. Je peux vous raconter une blague, vous êtes d'accord? Je vous en prie, Sadhguru. Un certain jour, Shankaran Pillai se promenait le soir dans un parc, au coucher du soleil. Il aperçoit une jeune et jolie femme, assise sur un banc en pierre. Vous connaissez les bancs du parc? Il va lui aussi s'asseoir, il s'installe sur le même banc.
Après un certain temps, il se rapproche un peu. Elle s'éloigne un peu. Il laisse passer quelques minutes et à nouveau s'approche un peu. Elle s'éloigne un peu. À nouveau, il s'approche. Maintenant, elle n'a nulle part où aller, parce qu'elle est au bout du banc. Elle le repousse. Alors, il attend 2 minutes, juste pour que le soleil atteigne le bon angle. Puis il se met à genoux et dit, « Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne de ma vie. » Vous savez qu'une femme se laisse duper par l'amour. Et le soleil se couchait. Si ça avait eu lieu au milieu de l'après-midi, elle n'en aurait pas cru un mot. Le soleil se couchait, l'ambiance était propice, et elle a cédé en quelque sorte. La nature a pris le dessus, des choses se sont passées entre eux. Alors il regarde sa montre, il est 8 heures du soir. Il se lève et dit, « Je dois y aller, je dois y aller !» Elle lui dit, « Où allez-vous? Vous avez dit que vous m'aimiez. » Il dit, « Ma femme m'attend, je dois y aller. » Donc, « Je vous aime » pour bon nombre de gens, et comme ça, vous savez, « Sésame, ouvre-toi. » Vous voulez obtenir quelque chose? Vos besoins sont peut-être physiques, psychologiques, émotionnels, financiers, sociaux, ou on ne sait quoi d'autre. Vous avez des besoins à satisfaire. Alors, vous utilisez ce mantra, et ça marche. Une fois sur deux, ça marche. D'accord? Ce que je dis, c'est qu'il est important. Il est important que vous connaissiez la joie d'être aimant. Parce que des émotions douces sont nécessaires pour vous. Si vous voulez faire de très grands pas dans votre vie, si vous n'avez pas la douceur de l'amour dans votre cœur, croyez-moi, si vous essayez de faire de grands pas dans le monde, en particulier en Inde, vous allez finir frustré et partir au Canada. Au Canada, on ne rencontre que des orignaux dans la plus grande partie du pays, donc tout va bien.